Exercice 7, on vous demande ici directement de factoriser ce polynôme. Vu qu'on vous dit factoriser ce polynôme sans vous donner aucune info, comme il est de degré 4, et je vous dis pour le degré 4, il n'y a pas de formule toute faite, ça veut dire que vous devez être capable de trouver des racines évidentes de ce polynôme par vous-même. Observant ce polynôme, quand je regarde ce polynôme, bah, je peux voir que ses coefficients sont 1, 1, moins 3, moins 5, moins 2. Autrement dit, ce polynôme P, il a coefficient entier. Comme il a coefficient entier, bah, je vais chercher ses racines évidentes entières parmi les diviseurs, ici, le coefficient constant. Donc, on regarde, on cherche les racines. Entière parmi les diviseurs, donc le diviseur du terme constant qui est ici moins 2, parmi les diviseurs de moins 2. Je vous rappelle le principe, l'idée ici, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un coefficient entier qu'elle admettra obligatoirement une racine entière. Il y en a même plein des polynômes en coefficient entier qui n'admettent pas de racine entière. Mais s'il en admet une, obligatoirement, elle sera diviseur de coefficient constant moins 2. Donc c'est là que je vais chercher. Si j'en trouve pas, bah c'est que j'ai pas de chance, qu'a priori j'aurai beaucoup de mal à factoriser ce polynôme. Donc là, regardons si on va trouver ou pas des racines. Donc les diviseurs de moins 2, je vous rappelle que c'est. On va commencer par les plus simples, on va avoir 1, on va avoir moins 1, on va avoir 2 et on va avoir moins 2. Donc je cherchais parmi ces quatre nombres, est-ce que l'un de ces quatre est une racine, au moins l'un de ces quatre est une racine du polynôme P. Faisons-le. Commençons par P2. P2, ça va donner 1 puissance 4 plus, bon je vais faire directement, 1 puissance 4 ça fait 1, plus 1, moins 3, moins 5, moins 2. Ça va nous donner moins 8, différent de 0, du coup je sais que 1 n'est pas une racine. Passons à moins 1. P de moins 1, ça va donner du moins 1 puissance 4, ça fait 1. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 3 fois 1, ça va donner moins 3. Moins 5 fois moins 1, plus 5, moins 2. 1, moins 1, 0. Moins 3, moins 2, moins 5, plus 5, je trouve 0. Conclusion, moins 1 est une racine de P. Alors, moins 1 est une racine de P, donc moi, au départ, j'ai un polynôme de degré 4. Pour m'en sortir, il faut que je lui trouve au moins 2 racines. Pour pouvoir faire après une division euclidienne, et me retrouver qu'un polynôme de degré 2, et avec du degré 2, je saurais faire en calculant son discriminant delta. Donc là, comme j'en ai qu'une, ça ne me suffit pas. J'ai deux choix. Soit j'étudie sa multiplicité, soit je regarde parmi les autres. On va déjà commencer par faire la multiplicité, donc à faire, vu qu'on a vu comment ça fonctionne. Donc pour la multiplicité, je vais calculer la dérivée de P qui est ici. P' égale 4x au cube plus 3x au carré moins 6x moins 5. Je vérifie 4x au cube plus 3x au carré moins 6x moins 5. On va calculer P' de moins 1. P' de moins 1, cela va donner, on va avoir donc du moins 4 plus 3, moins moins 6 plus 6 et moins 5. Ça fait donc 6 et 3, 9, 9 moins 9, hop, 0. Conclusion, moins 1 est au moins de multiplicité 1. Je vais continuer du coup. Faisons maintenant une multiplicité 2, pardon. Je vais continuer, je fais P seconde. P seconde, ça va me donner ici du 12x au carré, du plus 6x et du moins 6. Calculons P seconde. De moins 1, P seconde de moins 1, ça va vous donner ici 12 fois moins 1 au carré, ça fait donc du 12. Après, je vais avoir 6 fois moins 1, moins 6, moins 6, ça fait à nouveau 0. Comme ça fait à nouveau 0, des 0, je continue. Calculons maintenant P tierce, ça va donner ici du 24x plus 6. P tierce de moins 1, bon, on va l'écrire, mais c'est évident, ça va donner moins 24 plus 6, c'est donc différent de 0. Conclusion, qu'est-ce que vous avez dit de tout ça? C'est que moins 1, j'en ai pris trop, on arrête là. Moins 1 est une racine de P. Est une racine de P de multiplicité. De multiplicité, bah regardons, j'ai trouvé 1, 2, 3 fois 0. Multiplicité 3. Autre façon de voir, je me suis arrêté à la dérivée 3e, du coup, multiplicité c'est 3. Conclusion, qu'est-ce que je viens de montrer? Ben, je viens de montrer que comme moins 1 est une racine de P multiplicité 3, je peux factoriser P par x plus 1 au cube. Donc par un polynôme de degré 3. Quand je fais ma factorisation, qu'est-ce qui va me rester? Ben, un polynôme de degré 1. Donc là j'ai deux choix. Soit je fais la division euclidienne de P par x plus 1 au cube, vous pouvez le faire, ça marche. Ou bien je prends encore plus de recul et je me dis la chose suivante, il ne me reste plus qu'une racine. J'en ai 4 au total, j'en ai trouvé 3 de réelles, il ne me reste plus qu'une. Obligatoirement, ma dernière va aussi être réelle. Maintenant, avec un peu de chance, ça va carrément être entière. Donc je peux tester parmi deux,
et parmi moins 2. Donc vérifions si ça va marcher ou pas. Donc calculons P de 2, P de moins 2. P de 2, ça va donner 2 puissance 4, on va voir ici du 16, plus 2 au cube, ça va donner du 8. Moins 3 fois 2 au carré, donc moins 3 fois 4, ça va donner moins 12, moins 5 fois 2, moins 10, et moins 2. Ça fait donc 16 et 8, 24, moins 12, moins 10, moins 22, moins... Ah, bah c'est bon, ça fait 0. Donc comme ça fait 0, je peux dire que 2 est une racine de P. Est-ce que ça vaut le coup de calculer P' de 2? Bah non, parce qu'en fait, si je reprends ce que j'ai dit avant, comme moins 1 est une racine de multiplicité 3, j'en ai trouvé 3 des racines. Comme 2 est une racine, et que je reprends du départ, pardon, P est degré 4. Comme les degrés 4, le maximum 4 racines. Moins 1 est une racine de multiplicité 3, du coup j'en ai trouvé 3. Il me reste combien à trouver? Une seule. Et donc, j'ai trouvé 2, qui est aussi une racine, bah, la dernière que je trouvais, bah, c'est forcément 2. Conclusion, j'ai terminé. J'écris la conclusion et je vous en dis un peu plus sur ça. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que P, il s'écrivait sous la forme, bah, obligatoirement ça va être x moins moins 1, donc x plus 1 au cube, facteur de 2 est une racine, x moins 2. Et là vous voyez qu'on a terminé sans faire la moindre division euclidienne. Ça peut arriver aussi. Plusieurs remarques avant de vous laisser sur cet exercice. Première remarque, faites attention, imaginons, enfin une fois que j'ai trouvé les racines, j'en ai trouvé 4, P degré 4, j'ai fini, ou presque, j'ai une petite nuance. Imaginons, mon coefficient dominant avait été, j'en sais rien, moins 4, ou je ne vais pas prendre 4 fois en bruit, avait été, je sais pas moi, moins 3. Si mon coefficient dominant avait été moins 3, dans ma factorisation, il aurait fallu que je mette ici moins 3 également. Donc faites attention à ce genre de choses, qu'on ne fait pas de division euclidienne. Si vous allez très vite en faisant ça, il faut faire gaffe au coefficient dominant. Si vous faites une division euclidienne, vous n'aurez pas ce problème, il apparaîtra automatiquement, le moins 3. Autre remarque. L'autre remarque, c'est que j'aurais pu faire une division euclidienne en faisant comment? J'aurais très bien pu dire P de, 1, il vaut, pardon, P de moins 1 il vaut 0, donc moins 1 est une racine. Je ne faisais pas la multiplicité, je trouvais que P de 2 était également, valait 0, donc 2 était une racine. J'avais moins 1 et 2 qui étaient 2 racines. Donc comme j'en avais 2 et qu'il m'en fallait 4 en total, je pouvais faire directement la division euclidienne de P par x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1 fois x moins 2. Je faisais la division euclidienne de P par x plus 1 fois x moins 2, je fais mon calcul. Et quand j'aurai trouvé un polynôme de degré 2, ce polynôme de degré 2, je le factorise et j'aurai trouvé exactement le même résultat. Donc ça marchait aussi. Donc vous pouviez faire ça, c'est peut-être un peu plus long, mais ça marchait très bien aussi. Et surtout, c'est bien de l'avoir en tête parce que ce que je vous ai fait là, ça n'a pas marché à tous les coups. Là, c'est un cas particulier qui fait que ça marche. Pour conclure cet exercice, bah, je vous dis que ça termine cette feuille. Il reste 3 exos. Ces 3 exos, on ne les ferait pas, on ne les fait pas. Donc ce n'est pas au programme de révision du DS. Si vous intéresse, des exos où il faut réfléchir un peu, si vous intéresse, vous pouvez très bien y réfléchir, les regarder et revenir vers moi si vous avez des questions. Donc ça termine cette feuille, enfin cet exo, cette feuille, et donc le programme de révision pour le DS sur les polynômes qui sera couplé avec le DS sur les fractions rationnelles, donc avec le TD suivant.